En quelques coups de couteau, on arrive à faire des tout petits carrés comme ça. Ça me passionne. Je sais, j'ai des passions bizarres. Je vais reprendre mon gros couteau pour pouvoir écraser ma gousse. En fait, mon ail, parce que je n'ai pas de presse-ail. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon couteau et avec le plat de mon couteau, je vais venir écraser l'ail comme ça. Ça me permet en fait de faire une sorte de purée avec mon ail. Alors, on me demande, pendant ce temps-là, pendant que j'écrase, où je trouve mes idées de recettes pour recettes roulettes. Eh bien, tout simplement sur Marmiton. C'est mon vivier sur Marmiton. En fait, l'idée, c'est de vous présenter des recettes de saison, déjà, avant tout. Parce que c'est vrai que moi, je pense que ce qui est très important, c'est de respecter les saisons, car les produits ne sont jamais aussi bons que pendant leur période de production. Également, très important, c'est de prendre des produits de saison parce que généralement, ils sont mûrs à souhait et donc ils sont gorgés de goût. Alors, je vais encore t'embêter avec ma tomate. Je sais que j'en parle tout le temps, mais je trouve que c'est quand même l'exemple le plus flagrant. C'est qu'en fait, la tomate, sa période, c'est l'été. Et en fait, même la meilleure période pour la tomate, c'est fin août, début septembre, quand elle a passé tout l'été au soleil, qu'elle est gorgée.